Comment? C'est comment? Ça va douter? Là, on va faire un petit compte, ouais, non? On va faire un compte sur un sujet qui est sur le terrain. C'est un sujet sur un petit frère aux États-Unis, un ingénieur qui est envoyé sur le test anti-chauffé. On va parler un peu, je vais donner mon avis sur ça d'abord. Je crois qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires. On donne cet échauffé les petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, peut stop sur la vidéo, passer à autre chose. Ou alors arrêter autre moment. Parce que c'est les camarades. Comment il sait? Tu fais ta vie, tu ne la personne. La personne t'a vite insulté. C'est quoi? C'est le moi. C'est garçon. Arrêtez-le. Ne pas passer sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le vivant comme vous. C'est chaud. Très chaud. Vous savoir. Et là, si vous tapez, bref. C'est quoi ce sujet? Vous allez conseiller ce sujet, une sorte de sociologie à la marécageuse. Pour nous, il vient toujours par le bas, mais pour les autres, il vient par le haut. Non. Bref, c'est un sujet assez. Je ne parle pas souvent de ça ici, mais on va encore développer parce que ça revient chaque fois. C'est un sujet de tromperie énorme. On va parler de ça. C'est... En fait, pour ceux qui n'ont pas, qui ne le connaissent pas, c'est un petit frère de 30 ans, j'ai un petit frère parce qu'il est plus âgé depuis quelques années, qui vient aux États-Unis, qui est ingénieur et qui a rencontré sa copine à Paris, une quand même. Et elle était étudiante là-bas, il a fait vidéo aux États-Unis. Apparemment, il gagne bien sa vie, et il s'occupe bien de la fille. Et la fille était, un moment, la fille était un peu mal. Elle avait un peu le mal du pays, d'après ce qu'il dit. Alors, voilà le pays. Et le gars a préparé tout. Il a payé, il a acheté des cadeaux, tout. Il avait remis dans ses mains 5 000 dollars, qui est l'équivalent de près de 3 millions de francs CFA semaine dans le Cameroun. Arrive au pays, les premiers jours, il appelait, après, il n'appelait plus. Et la banquier, après, pour conclure tout, il devait passer chez les parents du gars, il n'est pas passé. Enfin, il est passé, il a dit bonjour, rapidement, il est parti. Et elle est venue aux États-Unis en bon temps. Oui, parce que le maillot, il a une boulet. Alors, putain, on a dit que c'est chaud, c'est très chaud. Avec un gars du Cameroun, j'ai parlé des gars du Cameroun fatigués. Mais on prend un coup de bavard. Je vais développer deux mon avis sur ça. Ça va parce que ce qui m'interpelle, il y a certains mots que le petit frère dit, et suicide, que je vais donner mon avis sur ça. Et dit tout ce qui se passe. On va la mettre là. On va continuer vraiment parler de Mina. Mais bon, on va parler. D'abord, petit frère, vous savez, dans tous les sujets que je reçois, je vais toujours là où ça fait mal. Je vais commencer par le sociopathique, ça fait mal. Certains restés vont s'énerver sur l'argent. Vous savez, l'argent énerve beaucoup d'intéressés. On va parler d'argent, de ces garçons. Tu es ingénieur, tu gagnes bien ta vie, c'est bien, petit frère. J'apprécie, c'est bien. Tu as une copine que tu as rencontrée à Paris. Bon, l'amour, vous savez, je suis 100% Camerounais. Même si c'est en Philippines, même si c'est en Corée du Sud, quand c'est Camerounais, je suis d'accord. Quand c'est pas Camerounais, je ne suis plus là. C'est assumé. Bref, c'est bien, tu l'as fait venir aux États-Unis. C'est bien, si c'est une fille diamant, tu l'épouses, il n'y a pas de souci, moi, je n'ai pas de poisson. Mais t'as vu là le pays. C'est tout à fait bien que là, enfin, bien que là, on a le pays. C'est normal, on a tous le pays, on a vu là le pays. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes les cadeaux pour la famille de la femme. La future femme, parce que vous ne voulez pas comment vous êtes fiancé. Bon, c'est toujours, il n'y a pas de souci. Regardez sa copine ou sa femme, c'est normal. Moi, je ne vois rien dans ça. Quand tout est bien clair, quand la femme te respecte, tu fais tout. Vous savez, et tu remets 5 000 dollars à la financement. Là où ça m'interpelle, parce que tu as dit là dans le sujet que ouais, m'a parlé, moi, quand ton petit frère, je te parle comme mon petit frère, parce que si c'est mon petit frère, je vais m'aller pire que ce qui était dit là. Mais je vais essayer de parler parce que je vais voir la caméra. Parce que tu donnes 5 000 à l'anga. 5 000 dollars, ça fait des cas de 3 millions. J'ai calculé, hein, parce que 3 millions à l'anga, c'est pas si. Moi, j'ai une question qui va peut-être surprendre certains. Ma question, c'est. Tu as donné comment à ta propre mère au Cameroun? Est-ce que tu as donné à ta propre mère l'équivalent de 5 000 dollars? Je suis sûr que non. On connaît beaucoup les gars mauvais ici. Je suis sûr que tu n'as pas donné 100 dollars. 5 000 dollars à une fille, je suis sûr qu'elle passe se promener au Cameroun. Ça veut dire que vous allez m'arriver à donner 10 000 dollars. Toute ton économie, bon, tu as les moyens, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as donné 5 000 dollars à ta mère ou à ta soeur? Non, je suis sûr que tu as des soeurs au Cameroun, tu as des frères. Tu as donné 5 000 dollars, non, tu as donné un gars, des parties avec. Déjà là, je trouve déjà que c'est bien de faire plaisir, mais il faut aussi faire bien à ta propre famille. C'est comme ça, ça énerve certains, mais c'est comme ça qu'il faut faire parce que quand demain ça se passe mal, ce qui recompte les morceaux, c'est ta propre mère et tes soeurs. C'est d'abord comme ça qu'il faut penser dans la vie. On faut aimer sa copine, on peut tout faire, mais il faut aussi penser qu'avant de faire comme ça, il faut aussi penser à ta famille. Parce que si c'est la fille là, imaginez-vous, tu es dans le bon thème, qui travaille, qui fait, elle va te donner 5 000 dollars. Aucune fille, quand même, peut donner 5 000 dollars à un gars d'aller en vacances ou à sa famille. Elle peut donner un peu, mais elle ne peut pas donner à ce niveau-là. Je sais, elle ne peut pas donner. On connaît les réalités. Donc, quand vous faites les choses, soit faites le signe pour ta famille. Tu dois servir à la famille, servir à ta famille. Fais le signe, tu as donné comme ta mère. Rien. Parce que je parlais à un petit frère derrière. Il m'a un peu servi certaines choses. Il parle moins comment. Il fait beaucoup de choses à la fille, ce qu'il a fait aux États-Unis, l'école, tout, c'est lui qui gère. Et on connaît comment l'école aux États-Unis, c'est pas facile. On connaît tous. Il paraît que certains étudiants, j'étais aux États-Unis, les gars m'ont expliqué aux États-Unis. Tu finis parfois l'école en finissant, tu as donné moins de 200 000 dollars. Même 150 000 dollars. Mais dès que l'école d'État est à payer, imagine un gars quand même là-bas qui s'occupe de la fille, dont l'argent, l'école, tout, et il paye encore le transport au Cameroun. Maintenant, la partie, je suis d'abord sur le gars. Il y a une partie qui m'a touché beaucoup, c'est sur le suicide, petit frère. Quand un homme dit ça, tu dis que tu es enfant de bobo, on s'en fout. Parce qu'enfant de bobo, tu es un homme. Tu as 31 ans, tu n'as plus 20 ans. Tu parles de suicide. Comment un homme peut dire, j'ai pensé au pied, puis ce suicide. Tu n'as pas pensé à ta mère. À cause des fesses, tu penses au pied.
à cause d'une femme, tu penses plus. Tu penses que si tu es suicidé, la fille a fait quoi? Pour te donner un petit anecdote, il y a longtemps, ici, en Europe, il y avait, je crois, ça n'allait pas, les gens là-bas connaissaient un jeune garçon qui avait fait venir sa copine du Cameroun, jeune étudiant. Après, la mine, là, son ami. Et le gars est allé se jeter dans l'eau. Et la mère du gars au Cameroun est devenue folle à cause de ça. Enfin, je veux dire, elle est devenue pas mentalement à cause de ça. Parce que le péricard s'est jeté à l'eau parce que sa copine a baisé à tirer à son ami. Et il s'est suicidé lui parce que ça ne va pas. Comment un homme peut penser au suicide parce que l'endroit ne marche pas? Vous aimez comment? Je vais vous dire à tous ces gens qui pensent au suicide, tous ces tarsis, je vais vous dire d'abord, moi personnellement, je n'ai pas de pitié pour les gens qui se suicident. Quand quelqu'un se suicide, si quelqu'un en cotise là pour le faire partie, moi je n'ai même pas mes 5 francs. Oui, ça c'est assumé. Pour moi, c'est un déchet. Je m'explique. Quand tu es sur terre, mettez-vous en tête déjà qu'on va tous mourir. Moi, par exemple, j'ai perdu mon père il y a quelques années. Donc, je sais que je vais partir tôt ou tard. Donc, pendant que je suis là, je profite de la vie. La vie est très belle. Je respire, même étant gamin, si j'ai la santé, si à moi de courir, la vie, manger la vie, profiter de la vie. Comment tu peux être là vivant? Tu penses déjà à la mort à cause de ces choses. Tôt ou tard, tu vas mourir. Tu ne m'entends pas. Tu me la fille s'en fout. C'est ta mère qui va souffrir. Tu ne penses pas à la douleur de ta mère, de tes soeurs, de tes frères. Tu ne penses pas à ça. Tu penses au suicide. Mourir pour quel but? D'abord, à ce niveau, je considère d'ailleurs que tu es d'abord un homme mauvais. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce qu'on fait des grandes études qu'on a l'école de la vie. L'école de la vie est plus forte et plus importante que l'école des études. Quand on fait des études comme ça, on doit aussi pousser la réflexion sur l'école de la vie. Car c'est ça qui comprend, parce qu'on comprend que toute chose qui arrive sur terre, c'est la vie. On dit chez moi dans mon village que les choses ne laissent pas quelqu'un pour aller faire un morceau de bois. Ça veut dire en bagnanté que nous, comme on y a maintien, quand on y a maintien. Les choses ne laissent pas quelqu'un pour aller faire un vide. Ça fait toujours quelqu'un. Donc, ce qui t'arrive, ça arrive toujours à quelqu'un. Il faut t'attendre à ça. Il faut considérer que la vie est très importante. Donc, quand on vit, on est content de vivre, on est content de sourire. On ne va pas se suicider pour ça. C'est la première des codes. Donc, pour moi, déjà là-bas, tu es quelqu'un de très fragile. Et ce n'est pas bon, petit frère. C'est très dangereux. Et là, d'abord, ça. Tous les petits ne peuvent pas qu'ils nous soient. On a des hommes que les femmes ont fait des enfants dehors. Il a le on a le test a découvert ça. Il ne s'est pas suicidé. Toi, personne. Bon, ça, c'est le premier cas. Mettons, parlons de la fille. Pour la reste, parce que moi quand je parle de la reste, c'est parfois je me tape dessus en disant ouais, mal exagère. J'avais fait une vidéo aussi, tapez sur mon YouTube, allez voir la vidéo sur YouTube là. J'avais mis, c'était que le mois de décembre, c'est le mois de la mine. J'avais expliqué dans la vidéo que c'était le cerveau comme on lâchait le léger. On m'a dit là-bas qu'on exagère. J'ai dit que beaucoup de filles disent tout le temps, les camés, les hommes camés go comme on tire. C'est la vérité, les filles disent arrêtez. Beaucoup de monde le sait, go comme on lâche, c'est, on le sait, on assume ça, c'est, ça arrive, c'est ce qui existe. Mais beaucoup de filles aussi. Beaucoup de filles camés go comme on tire. Un tir, pourquoi est-ce qu'un tir? Je vais expliquer pourquoi est-ce que ces filles au Cameroun, les filles camées de mes filles, mes là, qui ont les nez là, pourquoi vous allez au Cameroun, vous tirez, vous venez ici, vous tirez, parce que je vous connais, vous savez vraiment, vous connaissez. Je vais dire ça ici. Elles vont me regarder le bac. Bref, les filles camées, amen, qu'est-ce qui se passe? Il y a le stress que nous vivons tous. Il y a l'isolement, il y a tout et tout. Donc quand une fille ici se prépare pour la pauvre aller au pays, elle est contente comme tout le monde. Elle a tiré à Douala, elle a l'euphorie, elle est contente, et après la température, elle est doux. Ça te picote, ça gratte un peu sur le corps. Et les femmes sont très fragiles, surtout les seuls, comme l'autre fille avait dit, il faut qu'elle est chassée sur le bout des seins. Donc, la reine arrive là-bas, elle est titillée. Elle est tellement fière. Et en plus, au Cameroun, qu'est-ce que les gars du Cameroun font? Mais je veux du Cameroun. Je les connais. Beaucoup de Cameroun, les gars du Cameroun savent sentir les filles mengetées. Elles savent que les filles mengetées sont les plus fragiles. Parce que les filles qui viennent de Mbeka, au Cameroun, qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre souvent la manière que les gars de Cameroun, parce que les gars de Cameroun, c'est les bons dragueurs, ils ont le temps. Les gars de Mbeng sont occupés, ils travaillent tout ça. Enfin, je ne dis pas au Cameroun, on n'est pas occupé. Je veux dire, en général, en Mbeng, le système fait parce que tu es tellement occupé que tu perds certains atouts. Atouts de Binda, atouts de Grag, on n'a plus cette capacité oratoire, façon de parler, je veux dire. Alors qu'au pays, beaucoup de gars ont le temps. Les gars travaillent à Grag, les gars travaillent à la... Les gars sont propres, les gars sont... ont les abdos. Pourquoi? Malgré la bière que les gars boivent, les gars jouent à la santé, les gars sont très frais. Donc les gars du Cameroun attardent les filles mengetées. J'ai vu de mes yeux, je vais donner un peu, je vais de mes yeux comment les gars en fait. Donc quand les filles vont au pays, là, je m'attends toujours qu'elle va tirer. Je sais qu'elle va tirer. En plus, il y a les ex. Vous savez, les femmes n'oublient pas les ex. Elles sont. C'est comme ça les amours, il y a les ex. Chaque femme a sa part d'ex. Elle sait que l'ex me parlait beaucoup les poèmes. L'ex me menait bien, l'ex m'a mené souvent là-bas. Donc automatiquement, elle va au Cameroun, elle rencontre elle et ses ex. Elle ne peut pas échapper à Mbinda. Elle va Mbinda. Et comme on connaît les chercheurs, c'est les champions de chercher les camés. Les hommes, alors, quand même, n'aiment pas le préseau. Ils adorent entendre la chaleur. Donc, chercher. Donc, pour la fille, en allant au pays, d'après moi, elle avait son plan. Depuis Internet, elle avait sa immo, tout ça, elle avait son gars au pays. Je pense qu'elle avait un gars d'idée sur le gars. Parce qu'elle avait Facebook, on voit toutes les photos, elle avait tout. Elle atterrit. Même pas deux, trois jours après, elle n'appelle plus le gars. Ça avait dit quoi? Elle a commencé à Mbinda direct. Et c'est une fille qui n'a aucun scrupule. Elle n'aime pas ce garçon des États-Unis. Puis elle dit toujours, elle ne t'aime pas. Parce que je m'explique. Chaque fois on parle, on dit qu'on va exagérer. J'ai déjà dit, l'infidélité de la femme n'est pas comprenant. L'homme trompe avec le temps, quoi, la femme trompe avec le cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception.
les femmes en général ont besoin qu'il y ait un petit sentiment, petit pour qu'un binda. Donc une fille qui est fiancée, qui se marie l'année prochaine, arrive au Cameroun, un binda déjà, cela veut dire qu'elle ne t'aime pas du tout. Au-delà, elle ne t'aime pas. En plus, elle peut ne pas t'aimer, ça peut arriver. Mais pour moi, elle ne te respecte pas du tout. Car quand tu lui as dit d'aller voir ta mère, elle est allée faire quelques heures. On sait tous dans notre culture, parce qu'on est des Camerounais, que tu sois Bassa, Béti, Douala, tout ça, on a une culture de base qui est fondamentale, qui est quoi? Quand on est déjà avec un garçon, surtout pour ceux qui sont absolus, et qu'on a déjà une entente, tu vis avec la fille. Si la fille vaut qu'à moi, elle va aller chez tes parents. Elle en visite et dormir là-bas pour que les parents puissent la jauger, pour que les parents puissent aussi la connaître. C'est obligatoire. Dans toutes les cultures au Cameroun, c'est pareil. Donc quand elle arrive, elle va aller chez tes parents dormir quelques jours pour que les parents puissent la connaître. Elle arrive pas sans flèche. Cela veut dire qu'elle s'en fout complètement de sa famille. Elle s'en fout de ta mère. Comment une fille s'en fout d'aller à la mère de son garçon? Ça veut dire qu'elle ne respecte pas le garçon. Elle n'a rien à foutre. La mère déjà est fâchée, ça c'est la première chose. La mère déjà est déçue totalement. Que figure aux États-Unis, on connaît les États-Unis loin. Elle arrive au pays, elle voit la mère en quelque sorte passe. Cela veut dire que ses filles, déjà elle s'en fout de la famille. Maintenant, sa soeur, tu as dit sa soeur te disait qu'elle était jalouse. Sa soeur au courant du business, du modèle. Tu as donné 5000 dollars. Les gigolos au Cameroun, il y a des gigolos au Cameroun, on le sait. Le binda au Cameroun, c'est le gigolo. Et un gars au Cameroun, quand il veut binda, il met une fille mengete. Comment ça se passe? L'homme va vous expliquer en marécage. Sachez que beaucoup de gars au pays, pour certains de nos jours au pays, qui n'ont pas, parce qu'on sait que l'avenir n'est pas évident, on le sait. Pour un gars qui n'a pas d'avenir, il n'a que sa beauté physique et l'ambinda. Et dans l'ambinda, il est sûr d'avoir tout. C'est-à-dire, il est sûr d'avoir. Enfin, il est sûr de vider. Ce qu'on a appelé, il mise. En misant, il mise le temps, quoi. Une bonne mine pour lui donner les dollars, convertis en CFA, pour lui donner un billet d'avion, on le sait jamais. Pour lui donner les voitures, tout le temps. Il a cette panoplie de choses et la femme. La seule manière d'avoir quelque chose de la femme, c'est quoi? C'est de bien binda la gars. Il n'y a pas de choses. Tu vas venir chanter tes poèmes là, elle ne mange pas ça. Si tu la mines bien, même si elle va proposer une nouvelle Guinée, elle va penser à quoi. Donc le gars, qu'est-ce qu'il s'est pris? Il a pris la fille. Il a sorti une mbinda. Et j'ai déjà dit, les gars, le Cameroun, quand il veut t'embinda, il t'embinda comme si c'était le grand négé. Ces gars, c'est des mbindaïeurs. Avec la chaleur, il a chauffé la RC. Et en plus, on dit, parce que la fille a raconté aujourd'hui, elle est allée à l'hôpital, les lèvres étaient forcées. Quand j'ai un mbinda, le gars a donné. Parce que ce fils, c'est pas une petite fille. C'est une fille depuis 25 ans. On arrive à foison son mari. Ça veut dire que ce garçon a quelque chose entre les jambes. Alors, on ne sait pas s'il est varanise, alors, il mangeait seulement que quoi? C'est des crêpes. J'ai ri comme ça, mais les gars là me tuent avec la mbinda, mon frère. Qu'est-ce au pays? J'entends les gars au quartier. Grand frère, mbinda, cola, Guinness, je donne 3 tasses, je donne 4 tasses sans mal. Je dis, vous mbindaïez une femme 3 tasses sans vous arrêter. Faites comment, mon frère? Parce que nous, ici en Bénin, je ne sais pas. En Bénin, nous a rendu un genre. Les fruits, les mayonnaises, les ketchup, les tout ce qu'on mange ici là, ça fait les caméras à bénédiction. Au pays, les gars ont les avocats secs. Parce que les avocats avec les prunes, le maïs, les gars mangent ça. Va. Tu vois les veines, mais. Ouais, on va dire, on va pas de vida. J'ai envie de réussir de passer. Vide! Fille de 25 ans, ses lèvres ont mal joué. Si il faut voir le gars là, moi, je vais lui poser la question parce que, en pardon, il faut que le blanc les touche. Regarde, tu sais quoi, mon frère? Il tapait qu'à gauche, 40 coups, il tapait à gauche. Comment il faisait de mon frère? Parce que la garante boîte, c'est mal joué. Et ce qui est marrant encore, c'est qu'elle a tellement mis dans la veille encore, elle allait prendre la dernière tasse. C'était la finale. Du Cameroun, pour Bruxelles, c'est au moins 7 télévols. De Bruxelles ou New York, on va dire 12, c'est pas combien, 12, 10 heures, on sait pas. On va dire plus de 20 heures de vol. Que la fille avait son côté escale, tout ça. Elle a encore mal au machin. Ça veut dire que l'ambinda. Donc, Perica aux États-Unis, c'est un ambinda faya. Ce qui est amusant, c'est qu'à la fin, tu dis que tu l'aimes toujours et que tu veux la récupérer pour écarter la femme. Ta femme ne peut plus la voir. C'est une logique, non? Il y a même cette fille qui ont dit comment ça se fait, les filles ne coupent, tu ne gardes pas. Les femmes m'ont tué, ça veut souvent supporter ces choses. Je dis on est obligé de garder n'importe quoi. Déjà, la fille manque de respect à les parents au Cameroun. Ça pète, tout le monde m'entend. Quand ça pète, ça sent que tout le monde m'entend. Donc, automatiquement, la famille est normale là-bas. Et le Perica est prêt à la reprendre en barrant sa famille. Comment tu peux prendre cette fille pour barrer ta famille? Je te dis, parce que je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire simplement, parce que c'est ce sujet, je ne peux pas te dire, non, petit frère, réponds là. Petit frère, les gens, tu aimes, même si tu es bonbon, réfléchis une seconde. Cette fille ne t'aime pas, elle ne t'a jamais aimé. C'est une binda, elle va continuer en binda, elle a goûté de elle a goûté cher, en plus, c'est pas fini. Je te conseille de ne pas goûter avec elle parce qu'il fallait faire test machin tout pour voir parce que on ne connaît pas, peut-être c'est parce qu'elle est au Cameroun, elle vient te guider là-bas. Fais attention, mais comme je sais qu'elle a ton BC, parce que cette fille sait, elle a ton BC. Puisque tu te poses la question, si tu étais marécageux, je pense qu'elle a tué ça, tu l'as en prison, tu l'as cassé les dents. Bon, ce n'est pas bon la violence, laissons le côté là parce que là-bas il y a la prison, tu laisses. Tu as fui, c'est bien. Petit frère, continue ta vie. Continue ta vie, mais je sais que ce n'est pas fini cette histoire-là. Elle va encore un peu te. Elle va te relancer, je sais. Je reviens.
Je disais donc que la fille va te relancer. Elle va te prendre, tu vas retomber, tout ça. Mais moi, je pleure seulement ta famille parce que ta maman est tellement déçue. Et tu es prêt à écarter tout le monde. Tu vas te balader au Cameroun l'année prochaine, comment? Qui va douter? Parce que je sais que ta famille ne peut pas s'occuper. Ta famille oublie ta famille. Ils ne peuvent pas accepter parce qu'elle les a crachés en pleine figure. Elle est devenue au Cameroun, elle est passée sans devant ta mère, ta propre mère. Mais je peux épouser, viens pas au Cameroun, salut ma mère parce qu'elle est qui? Elle a quoi? Elle a le diamant entre les pèses. Elle a un message. Vous venez me que j'ai l'homme, non? Mais mon ami, dans ce monde-ci, si vous voulez être des hommes qu'on vous respecte, il faut au moins avoir un minimum de fierté. Que tu sois bobo ou pas, il faut avoir une minimum. Et la déception arrive à tout le monde. Nous tous, on est passé par là, petit frère. Il n'y a pas de super-hommes. Les Ngalous ont donné la dose. Les Ngalous ont banqué en plein carrefour. Allez, tire à Venga. On a vu, on n'est pas mort. Les Ngalous ont tout fou. C'est pour ça que tout ce qui arrive là, on regarde seulement. Comment ça se fait que maintenant, là, on t'a fait ça, tu dis, je vais me suicider. Et non, ça, tu as pensé au pays. Et en plus, tu penses peut-être qu'à ta maman. Tout ça. Toujours pour la fille là, avec toutes les filles alors là. Tu es un ingénieur, tu as le titre, tu as les moyens, il y a les filles bien ici dehors, il y a les filles aux États-Unis qui sont bien, il y a les filles posées, il y a plein de filles mariables. Si tu veux, tu viens autant donner la femme, il y a la femme. Il y a les filles qui sont prêtes, qui veulent seulement des hommes, qui veulent seulement les épouser, les filles qui sont situées socialement, qui veulent des hommes, il y a même des filles qui sont étudiantes, qui sont bien. Mais t'accouches pas, c'est une fille qui ne vaut pas la peine. Celui qui soutient ce genre de choses là, c'est quelqu'un qui peut tuer. C'est quelqu'un de son propre frère, il ne va pas accepter. Mais ils sont créés, il faut vous dire, non, pardonne. Hein. Tu sais. On ne pardonne pas l'infidélité de la femme. Je vous dis, ça vous choque. La femme n'a pas fait l'infidélité d'un homme. L'infidélité d'un homme, je l'ai dit, oh, je ne suis pas l'infidélité, mais l'infidélité n'est pas la même chose avec une femme. Un homme qui va tirer dehors le plaisir, même s'il est marié, et que la femme acclame, je dis à la femme, là, ne le quitte pas. Car je sais en tant qu'homme qu'il n'aime pas ces femmes dehors-là. Il est gothique. Nous, pour tirer un gars, on n'a même pas besoin de connaître son nom. Il suffit qu'un peu qu'elle on tire. Même si elle, on s'en fout de son nom, sa gueule, quand le temps est levé. Et quand un homme finit de tirer, quand il s'achète un gars, quand un homme finit de tirer un gars dehors là, quand il finit, le lâcher léger. Son cerveau fait, quand ma femme est où? Ma copine ou ma fiancée où? Son cerveau commence à penser, il n'est plus sur ça. Il repart à la maison là-bas. S'il y a encore l'occasion qu'on veut lâcher, il n'a pas le sentiment, il s'en fout complètement. C'est ça que l'enga ne comprend pas. L'enga, quoi que l'homme fonctionne comme l'enga. Non, c'est vous l'enga. Quand vous devez vous tirer, il faut le sentiment, il faut connaître son nom, il faut qu'il te parle de belles doux, il faut que tes regards te sourient, il faut que tu me fasses le soutien, il faut qu'il parle encore bien, pourquoi tu me le caler, il faut qu'il parle pour que tu te laisses caresser. Nous, maman, tu as un peu le moment qui est bien placé là. Tu tournes ses mains, c'est dedans. Et après, on y va avec. Le sentiment pour un homme, c'est compliqué. Pour un homme, le sentiment d'un homme marche dans le sens que la femme a des bons comportements, elle le prend bien. C'est là où l'homme commence à avoir le sentiment. Et ça n'empêche pas qu'il parle dehors. Même si pour la fidélité, ça n'empêche pas cette chose qu'on ne peut pas considérer l'infidélité d'un homme et une femme. C'est les mecs qui vous embrouillent avec les mots là que oui, l'infidélité, c'est les cultures. Et ça les a dépassés tout le monde. Nous, on est encore dans notre culture et notre façon de fonctionner avec notre manière qui est très bien. Restons comme ça. Laissons les blancs avec les façons. Nous, on a notre façon à vivre. Je n'ai jamais dit que l'infidélité, tu vois, parce qu'il y a les maladies dehors. Mais quand, dans un couple, on ne peut pas mettre l'infidélité d'un homme avec une femme. La même chose. La femme qui fait ça, c'est une imbécile. Elle joue dans le monde de. Comment on avait, elle joue dans le féminisme européen. Et ça la cale toujours au cou. Car si ton mari te trompe, tu quittes ton mari, vas-y te tromper, tu vas quitter tous les hommes. Mais une femme qui part tromper dehors, c'est fini. Il n'y a plus d'excuses. Parce que l'image d'un homme sur une femme qui est la vôtre, c'est pire. C'est comme si on vous tuait seulement. Vous imaginez comment le gars est en train de brutaliser, froisser le MH. Vous imaginez les coups des reins du gars sur ta femme. Vous imaginez comment il veut jouer. Et en plus, les gars quand même, je connais les gars quand même au Cameroun, quand ils attrapent un gars qui savent qu'ils sont en train de voler, la manière qu'il a Mbinda, ouais, c'est pas sa copine du quartier qui Mbinda, la manière qu'il a Mbinda, c'est comme si Mbinda pour mourir. Mais vous savez, c'est que vous volez très sucré. Il a concassé ça, et après la façon dont le gars Mbinda la fille là, merde. Elle rentre aux États-Unis, où elle marche mal, une fille de 25 ans, ça n'a pas de sexe. Et en parabole. Il y a, parce que je passe souvent, il y a souvent les amis. Vous savez, moi, je suis sur le quartier, je vois des choses, je sais tuer le coup. Il y a même une histoire là que je connais, juste au pays, pour vous dire que quand on ne sait pas au pays, papa est tiré, raconte les tirs. Il y a une fille ici, là, qui a les lances, elle est très bien. Je vais faire par là-bas pour qu'on ne connaisse pas un peu là-bas. Parce qu'elle est bien. Elle a les lances. Et puis, tu vois, genre de fille qui a les formes. Et son gars, c'est un gars, il a les moyens. Enfin, il a une bonne statue, on va dire. Et il me montre, c'est un gars ici, qui a son petit statut. Il a sa gueule, les formes. Quand la gamme, le moulin, il passe devant les Camerounais, il touche, puis il fait un peu, il se montre à ça. Vous regardez, c'est là, c'est moi qui a ça. Donc, le gars, m'imba ici. Et moi, je joue au pays. Dans le modèle, là, je vois l'anglais, un mobile. On va dire un peu, on va changer un peu le quartier, on va dire un peu Brazzaville. Je vois l'anglais. Elle travaille un djibo, man. Géant, mince. J'ai seulement loué l'anglais. Elle m'a loué, un peu, elle m'a vu. Le gars, quand tu vois le gars géant, tu sentais que c'est le foisseur. L'anglais go comme moi en vacances. Hein. Et c'est le gars ici qui a envoyé les mêmes histoires. L'anglais, tu peux, je l'ai vu là-bas, avec le jour là.
c'est comme on était un modèle. Et, après, le gars voit seulement ça bien dans mon pays. L'angarant, c'est et le taxi, quand le gars, tu vois le gars, il m'a trouvé, il touche même pas. Et quand l'angarant est rentré, elle m'a vu. Depuis ce temps, l'angarant m'a respecté beaucoup parce que nous, que je suis un catégorie qui tue le coup. On se voit, elle me salue bien parce que nous, que je suis le seul qui connaît ce qui s'est passé. Le gars est touché, il m'a lui. Hein. Ouais, le chef, vous avez déjà le gars qui passe là, il fait un peu. Pour vous dire que parfois, c'était résigné au pays. Hey, ti! Elle nous accuse qu'on nous continue tout le temps. Elle m'a dit, elle arrive et tue le code. Et le taxi, Simon, c'est dans. Il fait, je suis Mangaka, elle est là, tout ça. Sans le coup, le vrai chipote. Et l'Angala, c'est celui qui est au pays tout le temps. Et c'est le gars qui a voix. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui au pays tout le temps. Le pays, c'est notre pays. Tu envoies Tanga une fois tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais tu envoies tout le temps, assume aussi. Parce que c'est vrai, il y a les filles. Bon, je ne dis pas que toutes les filles pour pays. Il y a les filles, bon, on connaît qu'il y a les filles. Bon, nous, ce sont pas quand même des gars qu'on aime quatre. Nous, c'est encore c'était mixte. Mais il y a certains encore qui se lâchent. Qui ne s'exprime pas. Quand l'angala connaît, elle me voit sur les cieux, elle me regarde, elle me dit, Waman connaît, mais elle n'a que Waman, c'est un homme qui se le court, puis c'est, elle connaît l'homme. Donc vous dites, je vois les choses. Donc laissez-nous la faire que, il n'y a que les gens qui sont au pays qui font là. Même vous les laissez, vous allez au pays, vous tirez. Donc arrêtez de cacher. Vous tirez, assumez aussi. Nous on assume que bon, quand il y a moyen, voilà. Même si je ne prends pas ça. Mais le léger, c'est un léger. Mais le léger, l'angala est très pire. Parce que vous, quand vous partez, je suis sûr que l'angala. Un gars du petit, quand il est amoureux du gars du pire. Elle est amoureuse parce qu'elle ne fait pas le cœur. Même quand il y a quelqu'un qui tire pour la chair, elle goûte le cœur là. Elle est en train de réfléchir, il y a que si demain ça tchaka, elle prend le chaos du salopard aux États-Unis, elle fait venir son gars du Cameroun. Et le gars du Cameroun, il va maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a son plan, il a sa part de petit qui va les oublier. Il va venir banquer aussi les pipis, il va aller chercher sa part. Qui peut aussi venir le banquer? C'est le bancage permanent, c'est un Mbappé que chacun, le courant est partout. Donc, petit frère, pour mon gars du temps, il est ingénieur là. Tu es ingénieur, c'est bien. Tu, m'as, tu, voilà, tu es un grand ingénieur. Malheureusement, tu n'es pas ingénieur du MH. Là, ça t'aide de passer petit. Mais pour te dire que le boulon qu'on tourne sur les avions, c'est tout là, ce n'est pas sur l'affaire là. Un gars, on a dit que nous sommes ingénieurs en frappe. Donc, petit frère, non, il faut se le saisir. Ce n'est pas parce qu'un gars. De toute façon, ça va te motiver, ça va te. L'expérience, ça va te montrer plus tard comment est la vie. Nous, on est passé par là, on connaît. Les gars nous ont chou, le pépé. C'est pour ça que maintenant, quand on y a, puis ça, rien ne peut encore nous. Hey, quand on le fait ça, on dit, ah, mais quand ça, un gars nous a encore le modèle, maintenant, tu as commencé aussi, tu es encore venu, prends ton ticket, mets ton rang. On a eu ça, c'est pas seulement avec. Donc, petit frère, c'est juste, pense à ta famille, laisse ça faire de que je pense, puis tu es une mauviette, arrête ça. On ne se suit pas qu'on est ingénieur. Même si on est poussé, on ne se suit pas. La vie est trop belle. Prends tes dos, tu go vivre ta vie. Ta famille, ta mère vit, tes soeurs vivent. Donc, profite de là. Il y a les belles filles. Oh, avec ton titre là, si ça te dérange, tu me dis, voilà, je veux une femme, je te donne une femme tout de suite là. Une fille bien. Qui va se venir, ça soit s'occuper de toi bien, bien. Tu l'épouses, tu dotes. Tu me dis, viens, je vais célébrer. L'autre fille, elle n'a pas ma pitié. Elle a mis là-bas. Oh, là, quand il y a crème pas moi, je suis moi là. Oui, je n'accepte pas pour une minga. Je n'accepte pas, ça vous énerve, je n'accepte pas moi. La femme d'avril, c'est un retenu. On ne peut pas fonctionner de la même façon. C'est peut-être égoïste de le dire, mais on n'est pas pareil. L'homme et la femme est différent. La femme doit avoir le corps de la femme un peu, ne peut pas faire comme un homme. Il faut pas laisser les habits partout comme ça, là, les hommes si partout. Elle n'a plus de respect, plus de dignité. On ne la considère plus. Alors quand vous avez une femme avec les filles, vous la respectez, vous occupez d'elle, vous êtes fier d'avoir une femme comme c'est sûr qu'elle ferme ses pieds. Mais une femme qui n'est pas au pays, qui tire et on fout ses trucs, qui banque la famille. Pour moi, je n'ai pas mal de sentiments à ça. Je trouve que c'est exagéré. Voilà, c'est mon avis sur le sujet. Bon, j'ai beaucoup bavardé. Bon, petit frère, on fait comme ça. Tiens, toi, lis les commentaires. À toi de décider. Si tu décides d'aller loin, sachez que si tu meurs, on s'en fout. C'est ta vie. C'est ta famille qui va souffrir. L'engagement va s'envoyer. Quand tu t'aimes, là, elle a rien à foutre. Elle va pas nous déléger là-bas. C'est toi qui es parti ou tu vas où là. C'est ton problème. Avant ta vie, nous, on va arriver après. Si tu es parti, bon, on est là. Bon, non. Bon, bref, tchatche bunga à tout le monde. Mais, Ngabi, Makemazo, là, je m'en vais, mais je ne viens plus.